Alors, combien de kilos encore? 365, ça fait trop encore. Bon, ça devrait aller là. Voilà, je suis à combien, moi? 159. Bon, je peux prendre 150 kilos. Ouais, 200 kilos, un petit peu moins. 180 kilos, je peux prendre. Combien là? 190? Allez, vas-y, tout, prends tout. Ça, je suis à combien là? Hop. Ouais, c'est bon normalement. Ok. Allez, on va retourner à The Island. N'y a plus de sacoche, j'ai tout pris. Donc là, j'ai mes deux animaux sur neutre. Donc c'est bon. Allez, on va sur The Island, on va aller voir la grotte, on va essayer de prendre le Seigneur du Ciel au bord, on va essayer de mettre une caisse. On va voir tout ça. On va faire le tuto là-bas direct, hein, il y en a pour 5 minutes. Et après, on se prépare pour aller à Crystalis chercher les perles noires. Tu nous montres comment on fait, Onycorse. Alors attends, là j'ai un voleur là-bas, il va me prendre la tête. Non? Attends, je vais le péter parce qu'il va me prendre le chou, lui. Allez, hop. 725 avec ma lance. C'est pas mal. L'autre, là, il va m'embêter aussi. Attends, j'y vais parce que sinon, je préfère prendre les devants. Tiens, t'as le bonjour de Puppy Corse. Voilà. À dégager. Allez, on va voir si on a des trophées parce que sinon, ça passe pas. Hop. Alors, est-ce qu'on a des trophées? Ça m'a pas l'air. Si. Là. C'est bon, tout passe. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Crystal Hills, Islande. Bah, t'es où, toi, sur Islande? Ah, t'es sur Crystal Hills, Nicorse, alors. Non, 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 là je vais à la grotte Seigneur du Ciel là pour la neige là. On va faire le tuto parce que mon ancien tuto il fonctionne plus. Daté d'un an. Un an et demi. Ouais, ils ont changé. Ouais, ouais d'accord, ok, Nikos. Je tape un caprosin, je vais voir pour faire le singe. Avec ça devrait être drôle. Avec des capros? Ouais, pourquoi pas. Fais attention qu'il tombe pas sur dans le fossé, Raptor. Il y a un trou. Hein. Je sais que ça va dans tous les sens, les capros. Donc, je reviens. H3, allez, hop. Moi, je suis en train d'élever un petit giganot, là. Ah, j'arrive, là, en fait. Hein. J'ai ton émetteur, donc... Je le mets dans le coffre à structure, tu sais où il est maintenant? À côté de la forge industrielle. Bon, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis mis en tech. Hein. Cool, hein? Donc, qu'est-ce que j'ai là sur moi? J'ai des trucs à ranger pour être moins lourd. Bon, déjà, l'émetteur à Patou. Là j'ai comblé, là je vais vous faire voir Scorch. Donc les structures, c'est celui-ci. C'est celui-là de droite. Hein. Donc structure. Voilà l'émetteur. Voilà, cadeau. Donc ça c'est bon. Donc j'ai de la peau. Je vais ranger un petit peu. La poudre. La poudre. Hop, poudre et canon. La peau. Qu'est-ce que j'ai arrangé encore? Chitine. Charbon. Charbon. Chitine. Chitine. J'ai vu que j'avais de la paille. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore arrangé? C'est tout. Ok, c'est tout. Pas de problème.
continuer nos structures qu'on a. Hop là. Voilà. Ah, ça commence à prendre forme le tech. Hein. Allez, on va mettre. Voilà. Ah, cool. Hein. Là, et puis on va en mettre un ici. Hein, ouais. Donc ça, je le pète avant. Hop. Et je prends le mur. Hop. Je le mets là ou là, comme ça, comme ça. Hein. Voilà, nickel. Un autre petit mur. Là. Donc là, toute la façade va être en tech. Super. Donc là, j'ai récupéré de la pierre, du bois et du branchage. Voilà. Donc sur Scorch, j'ai fait un petit changement. Enfin, un petit changement, non. J'ai mis tout l'équipement de la Manticore, des skins Manticore, ce qu'on trouve sur Scorch, avec le bouclier. Hein. Cool. Pourquoi il est vert, mon... Il est vert, lui. Voilà. Et puis, la tenue du désert. Et j'étais chercher hier l'artefact, c'est lequel celui-là, destructeur, voilà. J'étais chercher deux destructeurs hier. Voilà, tout seul, c'est angoissant tout seul quand même. Hein. J'étais stressé, je vous dis pas. Et j'ai rajouté une caisse tech pour mettre l'argile, voilà. Donc avant de quitter Scorch, il faudra que je remplisse à fond mes caisses tech. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve sur Scorch et pas sur The Island. Donc ça c'est bon. Alors maintenant on va se préparer pour aller à la cave. Hein. J'ai du mal avec les ailerons de Spino et griffes de Tilaco là-haut. Ah bon? Ouais, pas grave, je perdrai dès que ça. D'accord, ok. Ouais, les Spino, nous c'est pareil. Hein. Les ailerons de Spino, on a galéré. Hein. Donc équipement fourrure. Allez, fourrure. Je vais peut-être prendre un basique. Hein. Ouais, je vais pas prendre de colle parce que si jamais je peux pas revenir, enfin, normalement non. Mais... Allez, on va prendre. Hein. Donc j'ai pris le pantalon, la veste, les pieds, la capuche, les mains. Voilà. Donc ça c'est bon. On va prendre une petite caisse pour voir si on peut la mettre et remonter dessus, tu vois. On sait jamais. Hein. Caisse. Une fondation aussi, pourquoi pas. Allez hop, une fondation. Je sais que j'en ai de la caisse. Hein. J'ai pas de caisse. Ah bon. Bon, on va en faire une. Hein. Ça c'est, j'ai pas de caisse moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire la caisse? Bois, branchage, fibre. Allez, c'est parti. Bois. Branchage. Fibre. Voilà, on fait la caisse. Petite caisse, voilà. Les Spino, c'est rare, oui. Ouais, ça, dans chaque serveur, c'est rare. C'est clair. Après, les Tilaco là-haut. Non. C'est pas ce qui manquait le plus. Hein. Donc, ça, l'arbalète, je crois que j'en ai là-bas. Des grappins, peut-être. Je vais peut-être faire des grappins. Schéma, grappins. Grappin, voilà. 40 points d'engramme pour un grappin. Allez, on. Schéma, grappin. Ah, on les fait pas sur nous, d'accord, ok. Donc, on doit les faire dans l'atelier, je pense. Oh là.
flèche, fibre, ciment, branchage. Rien que ça. Voyons. Alors, flèche, fibre, ciment. Ok. Flèche, ciment. On va aller chercher dans l'escargot. Alors, une pile. Une pile. Des flèches. Flèche normale. Voilà. Et du ciment, on va aller chercher de la bave. Tu peux te balader à pied de la forêt sans tête à ta... Ouais, mais ça. Voilà, sans bave, impeccable. Atelier, on va mettre ça. Ciment. Branchage, fibre, flèche. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez. On va se faire cinq grappins, c'est fait. Ok, on va en ranger. Bon, je crois que j'oublie rien, hein. L'arbalète, peut-être. Hein. J'en ai trois là-bas, donc ça devrait aller. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les flèches. Et la bave. C'est bon. Ok. Alors, attends, j'ai des trucs à poser là. La viande, je vais la donner pour le gigano. S'il a besoin de moi, lui. Dans 7 heures, c'est bon. Mettre de la viande, ça va. Ok, ça dégage. J'ai 5 machins. Ok, ça marche. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai mon GPS. Ok, j'ai mon GPS. Allez, on se fait le tuto la grotte, là, et puis on file sur Crystal Hills après. Hein. Salut Nico, comment vas-tu? Pour mettre les tenues. Ouais, le mannequin, ouais, je trouve ça sympa, moi. Tu perds plus ton temps à dire purée, dans quel coffre je les ai mis et tout. Tu vois, le mannequin, il est habillé, tu vois ce que c'est. Et... Franchement, c'est cool. Et pour aussi vérifier tes dégâts par seconde aussi, c'est pas mal. Allez, on va remettre ça en ordre. Allez, que 7h moins 5, oh, ça va. Hein. Impeccable. Bah, bien, impeccable, merci Nico. Super. J'avais mal à la tête cet après-midi, moi ça va un peu mieux. Sinon, ça a été. Fait mes petits travaux. Ouais. Cette grotte où tu vas me faire peur. Ah bon? Non, c'est une des plus faciles, Raptor. Là où j'ai angoissé, c'était hier, c'est celle du destructeur sur Scorch. Oh, quand t'es avec quelqu'un, ça passe plus facilement, hein, c'est plus cool. Mais quand t'es tout seul, tu stresses, je te dis pas. Tu peux compter que sur toi-même. Hein. En plus, je suis mort là-bas. J'ai quitté peu de temps. Je suis revenu, j'étais mort, j'étais enfermé dans la cabane en plus. J'ai dû être mort de chaud. Trop chaud dans la grotte. Heureusement que j'avais un lit sur place. Puis ça repop vite hein, en plus. Hein. Tu descends, tant que tu descends, quand tu remontes, c'est déjà repopé. Hein. Incroyable. Bon allez, on fait le tuto. Donc je vous lis plus, hein. Oh là, attends, je vais mettre ça. C'est parti.